On va en profiter pour jouer avec l'accident. Créons un accident. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la trajectoire à droite. Attention, ne le faites pas à la maison. Il faut faire des stages. Mais ça fera ça. Alors, trois réactions sont possibles. La première n'est pas avisée si vous voulez faire rire un public. C'est celui-là. Les gens vont être inquiets et vont appeler un homme. Il vaut mieux tout de suite jouer pour signaler au public que tout va bien et profiter de ce moment pour trouver un jeu. Voilà. J'en profite parce que j'ai une excuse. Ça me permet de n'avoir aucune dignité pour un moment. Donc on dit c'est un idiot, mais c'est normal, il a un c'est idiot, ça va, ça. Plus courant dans la vie quotidienne est une espèce de réaction comme celle-ci. Tout va bien. Comme si, en me faisant mal, je risque de perdre ma dignité. Je fais ça. On se fait mal au genou. Mais non, ça va. Ça fait très mal. Ça va tout bien. On cherche la solitude. On va souffrir tout de suite. Tout seul. Avec lequel vous pouvez surprendre un public, c'est en utilisant des gestes innocents qui accompagnent ce qu'on fait, qui accompagnent la parole. On n'a qu'à mettre un objet pour la trajectoire pour avoir un accident. Peu importe de nouveau si ça arrive tout seul chez moi, je nettoie la table. Mais de nouveau, ce qui est intéressant pour le rire, c'est l'enjeu. S'il y a un enjeu, ça peut être terrible, alors je serais obligé de redresser en urgence. Je vais profiter de cette réaction d'urgence pour créer une cascade d'accidents, un enchaînement d'accidents. Alors, prenons quelqu'un dans une situation avec un enjeu, serveur dans un restaurant, premier jour de travail. Monsieur, vous avez réservé? Très bien. Non, il n'y a aucun problème. Là.